Je vais me présenter rapidement quelques mots. Ça va être difficile parce que je suis loin d'être jeune. J'ai toujours travaillé plutôt beaucoup, on va dire, dans mon métier. Et puis, je suis plutôt encore actif, donc ça fait quand même pas mal de choses. Donc, au départ, je suis professeur d'éducation physique, basketteur. J'ai été élève à l'école normale supérieure d'éducation physique. J'ai passé le diplôme de l'INSEP. J'ai passé un doctorat, j'ai une licence de psychologie, j'ai été prof à l'UFR de Paris, j'ai été prof ici pendant de nombreuses années et j'ai entraîné quand même pas mal d'années en club et ici. Donc ça fait beaucoup quoi. Mais ce qui est difficile quand on fait beaucoup, c'est de ne pas trop se disperser. Donc j'ai essayé toujours de rester sur mes centres d'intérêt et je vais vous dresser un peu aujourd'hui ce qu'il en est sur cette thématique. Voilà. Donc j'ai mis ce titre-là, en fait, parce que j'ai repris par rapport à l'affiche initiale, il y a le « et puis il y a le point d'interrogation. Donc le « et », c'est important parce que sport performance, on arrive quand même à comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière. Mais performance, c'est pas sûr qu'il y ait performance à chaque fois qu'il y a spectacle. On nous vend un spectacle comme s'il y avait une performance de pointe, mais c'est pas évident. Voilà. Donc les moteurs du spectacle sportif, je pense que le premier moteur, c'est médias et partenaires. Je pense que ça, c'est... S'il n'y avait pas cet élément-là, le système ne pourrait pas marcher. Et en fait, le système marche parce que la télé, elle n'est pas si ancienne que ça, la télé. Les premières images datent des années vers 1950, même un peu avant, aux Jeux Olympiques, ou juste avant la guerre, il y avait quelques images à la télévision. Mais grosso modo, dans les foyers, il faut attendre 1950 pour avoir des images. Le deuxième élément moteur qui intervient dans la montée en puissance du sport-spectacle, c'est la révolution numérique. L'apport des technosciences, mais je redévelopperai ça plus précisément au niveau de l'entraînement. Et le troisième élément, c'est les besoins de pratiquer une activité physique. C'est-à-dire que dans le monde moderne, on est sédentarisé, il y a un besoin qui émane pour la santé ou pour le bien-être tout court des sujets qui font qu'ils ont besoin de pratiquer. Et ayant besoin de pratiquer, les vendeurs d'images et de sport se trouvent en position facilitante pour exercer leur puissance et leur impact sur le marché sportif. Donc le spectacle va se trouver transformé et à ce moment-là, les pratiques aussi. Et c'est un petit peu le sujet qui personnellement m'intéresse parce qu'on peut toujours parler du business, sport business, d'accord, mais en quoi ça modifie la façon de s'entraîner ou la façon de performer? C'est ça qui est pour nous, je pense, le plus intéressant. Donc, il y a, dans le sport, vous trouvez un produit de la mondialisation, c'est clair, mais en même temps un reflet, c'est-à-dire que vous avez suffisamment d'éléments pour vous rendre compte que le sport n'échappe pas au travers de la mondialisation. Il en est même aussi un élément, un bon indicateur, avec toutes les dérives du spectacle qu'introduisent des spectacles sportifs sur la triche, sur la circulation de l'argent blanc, l'argent blanchi, on va dire, hein, sur le dopage, je ne parle pas de ce sujet-là aujourd'hui, mais on a vite compris que dans le sport-spectacle, on retrouve bon nombre de choses qui sont, disons, peu à la gloire de notre société d'aujourd'hui. Donc dans le sport-spectacle, il y a des rendez-vous planifiés, et surtout, il y a une reconfiguration de la logique sportive vers une logique purement commerciale. Ça, c'est pas toujours contradictoire avec la performance, mais ce qui intéresse ceux qui vendent des images de spectacles sportifs, c'est le business. C'est pas trop il y a l'esthétique de la performance, mais pas tellement la hauteur de la performance. Et ça, c'est important de bien le savoir. Par exemple, il y a 20 ou 30 ans, j'avais lu un papier sur la NBA. La NBA, c'est une structure économique. À l'époque, elle était décrite comme d'abord une structure économique extrêmement rentable, qui tirait ses bénéfices à l'époque des images vendues
sur la planète, mais surtout du merchandising. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui marchait très bien déjà il y a 20 ou 30 ans, mais je vais vous montrer qu'elle marche encore vraiment bien aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Donc, alors, dans cette mondialisation, il y a un élément clé, c'est les 1995, en fait, qu'il faudrait remonter à 1990 avec l'affaire Bosman, mais qui a été jugée et tranchée en 1995. Que voulait ce joueur ? Il jouait au Standard de Liège et ses dirigeants avaient trouvé qu'il n'était plus très rentable et lui ont proposé un salaire, disons, dégradant, on va dire. Et lui n'a pas accepté ça et a essayé de jouer dans un autre club en France. Et le Standard de Liège l'a attaqué et lui s'est défendu parce qu'on l'a interdit de jouer et s'est défendu, il a gagné. Et il a gagné grâce à... Donc, d'où l'arrêt Bosman. La libre circulation des biens et des personnes. C'est-à-dire que le sportif professionnel est un travailleur qui doit pouvoir circuler librement. Et ça, ça a changé pas mal de choses dans le spectacle sportif. C'est-à-dire qu'on peut recruter aujourd'hui des entraîneurs, des athlètes, des cadres qui exercent pas nécessairement dans leur pays d'origine et loin de là. Par exemple, si vous prenez le cas de la NBA, c'est un club qui s'est mondialisé. Les Spurs de San Antonio, par exemple, se sont mondialisés très très vite en ayant en leur sein 5 joueurs de 5 continents. C'est pas le hasard, si vous voulez. Ils ont un entraîneur aujourd'hui qui est un entraîneur en numéro 1 ou 2, je ne sais plus trop où on en est, qui est italien. Ils ont des joueurs français, etc. Ils ont des chercheurs espagnols qui travaillent pour cette franchise. Donc c'est une entité internationale. Donc, si vous voulez, voilà, le sport professionnel a ses grandes caractéristiques. Alors, certains disent que c'est un avatar de la mondialisation. J'aime pas trop le terme parce que dans l'hindouisme, on dit que c'est une tombée du ciel, comme si c'était une gratification du ciel. Je partage pas trop ce point de vue. Donc, c'est un complexe, le sport-spectacle, c'est un complexe médiatique, publicitaire et industriel dans lequel les sportifs sont des employés de leur club ou de leur franchise. Alors l'exemple de la FIFA, je voudrais reprendre un tout petit peu parce que par rapport à ce qui a été dit hier, mais ça ne se chevauche pas, me semble-t-il. C'est-à-dire que pour réussir dans le sport business, il faut associer plusieurs choses. Il faut associer des représentants des grandes instances et des commerciaux. Et le démarrage de cette affaire-là, c'est le jumelage entre João Havelange et Dassler. Dassler, qui était au départ un fabricant de bottes. Et cette association-là était censée faire réussir le fait qu'on allait pouvoir vendre du spectacle, puisqu'on avait le CEO et Adidas. Et quand on marie les deux, on est sûr d'avoir... Et qu'on crée une boîte qui s'appelle ISL, qui était une succursale d'Adidas, on est sûr, on récupère tous les droits sportifs qu'on va vendre à toute la planète. Jusqu'à ce qu'il y ait un scandale en 2001 ou 2000, et parce qu'il y a eu des pots de vin, etc., et la faillite de ISL. Mais si vous voulez, ce qu'il faut retenir, c'est que le mariage de la FIFA avec des commerciaux a ouvert la voie à une structure intermédiaire qui était là pour capter de l'argent. Capter de l'argent, l'argent des images qui allaient être vendues et des publicitaires qui allaient s'accrocher derrière. Donc Adidas, Coca-Cola s'accrochent à ce tandem en 1976. Et alors un phénomène important apparaît aussi, c'est la libéralisation des ondes et des droits TV. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait quasiment pas de télévision. Et il y avait en 1980 et quelques, il n'y avait qu'une ou deux chaînes qui émettaient en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a 300 ou 400. Aujourd'hui, toutes les images circulent sur la planète et ça renchérit la potentialité de ce marché du spectacle sportif. Alors l'éthique, quelquefois, peut se trouver un peu bousculée.
Donc, on peut retenir déjà que ce n'est pas de sport business sans médias. Alors, quelques chiffres quand même, pour qu'il est bon de mentionner, c'est que au JO comme au championnat du monde de football, on a 3,6 milliards de spectateurs. Pour la cérémonie d'ouverture des Jeux, on peut dire qu'une personne sur deux qui vit sur Terre a pu voir la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. C'est énorme. On peut aussi voir que, par exemple, le Tour de France, lui, ne récupère qu'un milliard de spectateurs. Et on peut aussi voir que, par exemple, pour le championnat du monde de 2010, 64 matchs ont été disputés avec 3,5 millions mais de spectateurs sur place. C'est-à-dire que, grosso modo, ça fait 50 000 personnes à chaque match. Donc ça fait quand même beaucoup de personnes qui regardent du sport, mais qui regardent aussi des spots publicitaires. Alors, sur les droits TV, quand vous avez cette inflation, cette disponibilité d'images, vous avez des droits TV qui vont exploser. Au début, en 1960, on va dire, il faut bien situer un départ, mais on avait 183 000 euros de droits TV pour avoir le droit de diffuser les jeux. Et maintenant, on est à 6,8 milliards d'euros. Et ce n'est pas fini. Donc, pour la NBA, par exemple, on avait 500 000 dollars, c'est rien. Et on arrive maintenant à 2,1 milliards de dollars pour sur plusieurs années, de 2017 à 26, mais ça fait un bond de plus de 50% en quelques années. Donc, quand on voit cela, il y a une explosion des salaires en NBA, mais on pourrait raisonner pareil sur les autres sports, une explosion des salaires considérable. Ce qui fait que, par exemple, aujourd'hui, vous avez un nommé Batum, joueur français, qui est le sportif français le plus cher payé de la planète. Alors qu'il est loin d'être le meilleur basketteur du monde et il est loin d'être le meilleur sportif du monde. Donc ça va créer un décalage entre la valeur spéculative, si vous voulez, et la valeur sportive. Et ça va forcément créer un emballement et une inflation des salaires. D'autant que, en NBA, les joueurs ont réussi à se protéger, c'est-à-dire qu'il y a une clause qui permet d'obtenir pour les joueurs 51% reversé de l'argent rentrant vers les joueurs. Donc les salaires NBA vont exploser, et là on en est sur un ou quelques joueurs, mais ça va être considérable. Et on peut se demander si ça ne va pas être... Et c'est d'ailleurs pareil pour d'autres sports, comme si on prend l'exemple du football... On a des salaires aujourd'hui avec Pogba, des salaires qui défient vraiment tout ce qu'on pouvait imaginer. Alors vous voyez un petit peu ce phénomène-là qui est lié au sport spectacle, mais il y a d'autres choses qui créent une montée en puissance de l'économie du sport. C'est que toutes les activités confondues autour du sport, il n'y a pas que la pratique, il y a les équipements, il y a les stages d'entretien physique, tout ce qui touche à la santé et le sport vont générer des sommes considérables d'argent qu'on peut estimer à 650 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Des bénéfices qui sont très importants, donc, qui sont juste derrière les secteurs militaires, pétroliers, et pharmaceutiques. Alors dans le chiffre que je vous ai donné, on regroupe tout ce qui est toutes les dépenses qui tournent autour du sport et des métiers et des investissements qui s'y rapportent. Donc voilà, conquérir de nouveaux marchés. Plus de droits, on a aujourd'hui plus d'images, plus de droits, et on a aussi plus d'événements sportifs. Par exemple, pour le mondial de football, on va aller probablement vers 48 équipes. Pour créer un peu de spectacle, on va créer des éliminatoires sur des matchs secs, donc créer de la dramaturgie. Donc on est sûr d'avoir des spectateurs, parce que les spectateurs, ce qui les intéresse, c'est de voir dans le combat épique quel sera le vainqueur et le perdant, plus que voir ce qui se passe sur le terrain ou autre. Ils s'en foutent. Ils veulent voir qui va gagner et comment il va gagner
ou perdre. On va avoir un renforcement des structures internationales pour accentuer l'impact possible de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on va on est en train de diminuer l'impact des championnats d'Europe sur les qualifications olympiques, voire les rendre totalement inutiles, pour que tout passe par les structures internationales et que le ticket olympique soit donné par les instances internationales. Donc les instances internationales vont se trouver à un croisement où ils vont jouer un rôle majeur pour les qualifications olympiques et donc ramasser d'énormes gains. Il y a quelques années, par exemple, on pouvait se qualifier pour les Jeux olympiques avec un classement au championnat européen. Il y avait un tournoi de rattrapage, si vous voulez, je parle du basket, mais dans beaucoup de sports, ça fonctionne. Pareil, pas au volleyball, mais dans beaucoup de sports, c'est pareil. Aujourd'hui, le champion d'Europe, à partir de maintenant, ne sera plus qualifié pour les Jeux olympiques. Donc il y a une compétition nouvelle qui s'est créée et elle va rapporter beaucoup d'argent aux structures internationales parce qu'on va avoir un nouveau tournoi à fort enjeu puisque ce qui compte prioritairement pour les sportifs, c'est d'aller aux Jeux olympiques et d'y performer le mieux, le plus haut possible. En football, il y en a exactement la même chose avec la Première Ligue. C'est-à-dire que la Première Ligue détermine les classements en Champions League, détermine le nombre de pays qui vont être directement qualifiés pour la Champions League de l'année suivante. C'est-à-dire que si la France, par exemple, est mal classée au niveau européen, et du coup, elle n'a que deux qualifiés d'office. Alors que ceux qui terminent dans les quatre premiers de la Champions League, du tournoi des clubs champions, ils vont avoir quatre qualifiés, ce qui fait que les Français sont aujourd'hui classés 5 voire 6e du classement européen de football, parce qu'on fait le classement à partir des clubs et pas des équipes nationales. Donc ça complique considérablement les finances des meilleurs clubs français, puisqu'ils ne sont pas assurés du tout de faire la Champions League l'année prochaine, même en terminant 3e ou 4e. Ils ont deux obstacles à vaincre, il faut gagner deux fois derrière pour être dans le gratin des championnats de football. Alors voilà, on peut maintenant faire un point sur la situation aujourd'hui. Qu'est-ce qui caractérise les grandes instances internationales? C'est de revendiquer d'avoir des droits exclusifs sur les droits de diffusion. Ils s'en sont emparés, personne n'a rien dit. L'ONU aurait pu s'en mêler, mais ils ont laissé faire. Il y a une indemnisation des risques qui est, quand on regarde un peu les clauses quand on a obtenu les Jeux olympiques et qu'on voit les clauses derrière auxquelles on doit s'astreindre pour être dans les clous, c'est phénoménal. C'est-à-dire qu'il y a des assurances contre les droits de grève, il y a si les travaux ne sont pas terminés, le personnel du CIO n'est pas logé comme il l'entend, il peut y avoir des amendes. Enfin, il y a une réglementation qui est très draconienne. Et alors, paradoxalement, les États veulent encore y jouer à ce jeu-là. Bon, ça ne durera peut-être pas tout le temps. Mais ça devient de plus en plus difficile. Quand on pense, par exemple, le Canada, ils viennent de finir de payer les Jeux de 1976. Que les Grecs, on ne sait pas trop s'ils ont payé ou fini de payer, je ne pense pas. Quand on pense au Brésil, qui a obtenu les Jeux en période, hier il en a été fait allusion, en période de croissance importante, ils doivent maintenant payer. Alors que le pays est dans une crise économique et politique considérable. Donc le produit principal aujourd'hui, c'est le produit télévisuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sport spectacle s'il n'y a pas des images qui circulent sur la planète derrière. Et il faut conquérir des nouveaux marchés. Parce qu'il y a toujours besoin de plus d'argent, donc il faut des nouveaux marchés. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la NBA, mais on peut parler aussi des images qui se vendent très bien. Par exemple, moi, je suis allé aux Jeux de Pékin, il y avait des images de Yao Ming qui était de 30 mètres de haut dans Pékin. Les Chinois n'allaient pas voir jouer à Chine, ils allaient voir les États-Unis d'abord et éventuellement la Chine. C'est-à-dire que la NBA a réussi à inonder de basket
la Chine. Pourquoi ? Bah parce qu'il y a 1 milliard 300 millions ou 400 millions de spectateurs potentiels. Voilà. Et donc l'intérêt du spectacle aussi dépend pour une grande part des ligues fermées. C'est-à-dire, par exemple, en NBA, je ne vais pas vous développer le système des ligues fermées, mais en fait, grosso modo, c'est faire en sorte qu'il y ait de la concurrence entre les adversaires. Ce qui fait, si vous êtes bien classé dans un championnat, l'année d'après, vous n'êtes pas premier à recruter. Il y a tout un tas de règles qui vous mettent en dernier pour recruter, vu le classement que vous avez, de telle sorte qu'on rééquilibre un peu les forces en présence ou on crée un peu d'incertitude pour essayer d'enclencher l'envie d'aller voir ce championnat. Donc, alors après, il y a la course à faire le bon choix, aller recruter des jeunes joueurs et pas se tromper, etc. Mais le fait que ça soit une ligue fermée offre un certain nombre d'avantages parce qu'on peut être dernier et on ne descend pas. Et du point de vue du financement des franchises et des droits, c'est très important puisqu'on n'est pas soumis à aller chercher en permanence de l'argent pour pouvoir exister. Donc ça, si vous voulez, ça a beaucoup d'avantages. Et on en parle un peu pour la France, mais je pense que ce n'est pas encore trop d'actualité. Et ce qu'il faut constater aussi, c'est que dans ce marché grand ouvert, les entraîneurs circulent aussi. Il y a énormément d'entraîneurs français de très haut niveau qui évoluent à l'étranger, qui vendent leurs services comme les joueurs vendent leurs services. Et y compris quand il s'agit de jouer contre la France. Donc, si vous voulez, ça, c'est un fait un peu nouveau. Les clubs donc, deviennent des transnationales, donc les clubs de sport, mais on peut dire même des équipes nationales, parce que je vois, prenons l'exemple du rugby, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas français, qui peuvent jouer en équipe nationale. Il y a des accords particuliers, si on a joué un certain nombre d'années, etc. Donc ça renforce la mondialisation du rugby, et ça permet probablement aussi, au passage, de vendre plus d'images. C'est-à-dire que si vous êtes d'un pays où il y a des gens de votre pays qui jouent dans des grandes compétitions dans d'autres pays, vous aurez peut-être tendance à plutôt regarder de temps en temps, ou d'être attiré par le spectacle. Donc ça envahit l'espace quotidien, et en plus, on présente aujourd'hui les grandes compétitions comme des fêtes. Donc comme c'est des fêtes, on nous présente ça, on nous vend ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment y être, quoi. On n'a pas le droit, si c'est une fête, on n'a pas le droit de ne pas être là. Donc prenez l'exemple du championnat d'Europe de basket qui s'est passé à Lille l'an dernier. Ça a été présenté comme une fête, et je vais vous décliner un peu comment les choses ont fonctionné. Et on a réussi à drainer énormément de spectateurs parce que ça a été vendu comme une fête. Et en même temps, ça permet aussi de vendre des produits dérivés, bien sûr. Donc les nouveaux marchés, ça j'ai passé déjà, voilà. Alors il y a des sports aussi qui naissent, qui se créent, qui s'inventent. Alors j'ai lu récemment qu'il y avait un projet pour l'Inde qui s'est inspiré de la NBA pour créer un championnat de cricket professionnel qui serait télévisé. Donc ce qui est important, c'est que on crée des règles et une durée de spectacle, on fait un spectacle pour chez soi. Et on vend un spectacle pour chez soi ou pour tablette. Par exemple, en Inde, ils ont acheté des droits de diffusion du championnat du club champion pour être diffusé sur des tablettes en Inde. Donc ça va donner des spectateurs virtuels qui vont consommer du sport spectacle. Donc on met en scène tout ça, les dollars affûtent, et on nous présente même le Cricket 21 qui serait un rassemblement de différentes nations de l'ancienne Commonwealth et qui matcherait sur un championnat qui serait créé autour du cricket. Donc là, on met 975 millions de dollars pour disposer des droits. Tout le monde s'est positionné là-dessus pour exister. Du coup, dans cette mondialisation-là, la relation entre entraîneur, cadre ou joueur va être transformée. Parce que le joueur, il est employé par le club.
Il est employé par le club. Je vais remonter parce que je... Hier, on a parlé de la NBA et que ça, soi-disant, l'intervenant hier a déclaré que les joueurs NBA n'étaient pas très intéressés pour venir aux Jeux Olympiques. Moi, je dis, c'est pas la question. On leur demande pas trop leur avis. Ils viennent. L'essentiel, c'est qu'ils gagnent et qu'ils se comportent bien. J'ai pas d'histoire, pas de trucs qui sortent de comportements un peu déviants, on va dire. Et pourquoi viennent-ils, si on se place du point de vue de l'employeur? Ils viennent parce qu'en venant, ils sont les représentants de la NBA. Et du coup, ils passent à la télévision, des images de joueurs NBA sont vendues par l'intermédiaire de l'équipe des États-Unis. Vous voyez des images de très forts joueurs et ça peut vous donner envie d'aller regarder des images du championnat NBA l'année suivante. Donc voilà, ils font du merchandising. Voilà, c'est important à retenir parce que, et c'est vrai pour d'autres, il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi les entraîneurs, etc. C'est pareil. Bon. Alors maintenant, pour bien vendre, on peut vendre le spectacle, mais on peut vendre aussi un spectacle virtuel. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous regardez sur un écran de télé, bon, ça c'est pas très nouveau, mais on peut aussi regarder des matchs en immersion avec des lunettes spéciales où on peut y être, comme, voir le match comme si on y était. Donc si vous voulez, il y a ça qui est en train de se développer à une vitesse considérable. Et pour cela, la NBA toujours dispose d'une force de frappe extraordinaire. Ils placent 20 caméras dans les grandes salles et ils ont 6 caméras qui permettent de suivre en instantané tous les joueurs. Alors, ce n'est pas trop pour étudier le jeu. Ça permet d'étudier le jeu. Mais c'est surtout pour créer des jeux de basket sur écran. Des jeux de basket sur écran qui ressemblent à du basket. Et pour ça, vous devez capter des images de bonne qualité. Donc, il faut avoir des systèmes technologiques très performants. Alors, au passage, ça nous renseigne sur les vitesses des joueurs, etc. Ça nous renseigne sur tout un tas de choses pour les techniciens. On y trouve des bénéfices. Mais en fait, l'opération, elle est menée pour affiner la qualité télévisuelle du produit qu'on veut vendre. Et y a des sociétés qui se sont mises là-dessus, avec des gros marchés pour suivre les joueurs avec des radars, en fait, etc. Pour qu'à court terme, des spectateurs puissent s'immerger dans le match comme s'ils y étaient, avec 3D, des trucs qui tournent, on peut regarder le match du dessus, du côté, on tourne, ça, on peut se mettre au milieu du terrain pour voir exactement ce qu'on ferait, etc. Donc voilà un petit peu vers quoi on va. Alors revenons un peu au troisième élément, si vous voulez, je vais aller assez vite sur cet élément-là. Le troisième élément, c'est que dans tout ce contexte, disons, d'images qui se vendent, il y a aussi un besoin du public. Le public a besoin d'activité physique, parce qu'il y a tout un tas d'intérêts personnels et sociétaux pour que les gens soient plutôt actifs que sédentaires. Et par exemple, on a plus de 2 millions de licenciés aujourd'hui en football. On a 38 millions de licenciés au niveau FIFA, c'est important. Le football avait perdu des spectateurs, des licenciés, ils en ont regagné récemment. Et aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'il faut retenir pour hors du sujet sport business, c'est que grosso modo, on a 30 à 40% de volume d'activité physique qui a chuté depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Ces données-là, on les tient de Luc Léger, qui faisait un test sur toute la planète, son fameux test Luc Léger-Boucher, en fait. Et les gens perdent deux paliers aujourd'hui par rapport à 20 ou 30 ans derrière. Par exemple, en basketball, moi, je suivais beaucoup l'équipe de France dans les années 80-85. Les VO2 max des basketteurs étaient de 60 à 68 millilitres kilo minute à l'époque. Mais aujourd'hui, on est plutôt autour de, pour les garçons, autour de 50-55.
se débrouillent autrement. Mais c'est pas sûr qu'ils jouent mieux. Hein. Ils jouent moins. Donc ça se voit pas trop. Mais ils jouent beaucoup moins. Comme ça, on permet de masquer un peu les choses. On a donc besoin de sport. Je n'ai pas besoin de développer trop. Donc on va consommer des chaussures. C'est obligé. Des vêtements, etc. Donc là encore, il va y avoir une sorte de mariage entre ce qu'on nous diffuse, les propres besoins qu'on a, nous, d'avoir une activité physique, et tout ça, ça fait faire marcher la machine à dollars. Et elle fonctionne bien, je ne sais pas, mais elle fonctionne. Toujours plus spectateurs. Alors, il faut fixer les spectateurs acquis, il faut créer des nouvelles habitudes. Donc, je vais parler un peu des images, là. Il y a eu des essais faits en NCAA, où on peut voir les images avec des verres capables de capter des différents moments de la scène sous différents angles. Ça commence à venir, mais ça va venir. Là. Il y a eu des essais faits en 2015 ou 2014. Ça va venir. Et on va aller sur le marché de la réalité virtuelle. Alors voilà un petit peu ce qui se passe. Mes trois facteurs là se mettent dans une roue, je ne sais pas si elle est vertueuse, mais qui fait tomber les dollars. Donc, médiatisation et droit d'image, révolution numérique, besoin de pratique. Et par exemple, en bas, on peut facilement voir qu'il y a 4,8 milliards de dollars de revenus. C'est monstrueux. Et d'un autre côté, les réserves FIFA, on en a parlé hier, 1,5 milliard de réserves de réserves dans les caisses de la FIFA, c'est quand même pas rien. Voilà un petit peu le tableau. Et du coup, je vais reprendre une citation d'un philosophe que certains connaissent bien. Les stars sont aussi des hommes sandwich de la publicité contemporaine. On peut aussi dire que, si vous voulez avoir un repère, hein, avec à Pékin, Usain Bolt, toujours pour la marque Puma, a drainé 250 millions d'euros en passant à la télévision. Ou sur laquelle on voyait bien la marque de ses chaussures. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Et si on se fie aux prises de position de la NBA sur les droits TV, je vous ai dit, pour le prochain événement 2016-2023, je crois, c'est augmente de 50%. Donc on va rentrer dans quelque chose, on n'y est pas encore, on va y rentrer. Si vous voulez, il y a un salary cap en NBA qui était fixé à 60 millions de dollars par an. Il va passer à 76 cette année. Il va atteindre, dans les 3-4 années à venir, plus de 100 millions de dollars par an. Pour le meilleur le salary cap, c'est le plus haut salaire. Voilà un petit peu la tendance. Hein. Et je ne vois pas pourquoi, pour le moment, on s'arrêterait. Donc tout ça, ça fonctionne plutôt bien aujourd'hui, bien comme souhaitent l'organiser les marchands de spectacles. Hein. Il y a la FIFA est régie par l'article du Code civil suisse. C'est une association à but non lucratif. Mais on peut s'interroger s'il n'est pas trop tard pour introduire des mécanismes de régulation et de contrôle. Il y a des efforts, parce qu'on voit bien que les gens sont mécontents de la façon dont fonctionne le système. Donc il y a un effort de transparence, un petit effort qui est fait par les organismes internationaux. Mais je pense qu'il va falloir qu'ils aillent beaucoup plus loin. Et on peut aussi s'interroger sur Qatar 2022. J'ai lu un article qui s'intitule « Coupe du monde de l'esclavage ». C'est beaucoup d'argent crée aussi des choses qu'on aurait souhaité ne pas voir. Voilà. Alors, avant de passer à la deuxième partie, on peut aussi nous dire que les technosciences vont vers le grand public, c'est clair, parce qu'on va consommer des services. Par exemple, il y a une société serbe de basketball qui a observé 32 000 matchs de basket dans l'année dernière. 32 000 matchs. Pour les vendre aux intéressés. On n'est plus dans le sport d'élite. Hein. 32 000 matchs. Les pratiquants, Henri en parlait tout à l'heure, ont un matériel de petites applications sur smartphone, etc. Mais en fait, ce n'est pas pour faire de l'exercice. C'est pour se distinguer. On ne se distingue plus
trop par le sport que l'on pratique, que la classe dirigeante fait du footing, c'est clair, elle a compris que c'était plutôt bien pour elle, mais si elle a un podomètre qui marche bien, un truc, un accéléromètre éventuellement, le taux de masse grasse consommée, tout ça, ça fait des gens qui se distinguent des autres, qui font que courir tout court, quoi. Et puis, on peut aussi acheter des chaussures Nike réalisées sur des imprimantes, donc faites à votre pied, exactement à votre pied. Donc tout est fait pour qu'on consomme du matériel sportif de pointe. Tout ça qui est vendu par les hommes sandwich que sont les athlètes de haut niveau. Les athlètes de haut niveau nous montrent la direction et par confort, on va peut-être s'acheter des chaussures qu'on va faire sur mesure sur une imprimante 3D. Et ça va très vite. Voilà. On peut aussi voir, par exemple, les retombées de l'entraînement sportif de pointe sur la prévention des accidents pour le troisième et le quatrième âge. Les travaux pointus de l'Italien Riva, qui travaille avec la NBA, qui a écrit beaucoup d'articles sur la proprioception, les qualités d'équilibre, etc., aujourd'hui est engagé dans des travaux de recherche sur le troisième âge, quatrième âge, sur les chutes, etc. Il y a un gros marché là aussi. Et puis, le sport qui se regarde, là je parlais du sport qui se pratiquait dans la colonne de gauche, il y a aussi le sport qui se regarde. Ben, c'est des matchs plus fluides avec les progrès numériques. On parle aujourd'hui de la 5G. Alors, G, c'est pour aujourd'hui ou aujourd'hui, ou presque, demain en tout cas, 2020. Alors, pour vous donner une idée, avec la 5G, on peut regarder 6 films simultanément en haute définition chez vous. 2020. Alors, peut-être faudra payer quand même, hein. Mais pour vous dire que là, aujourd'hui, on est devant quelque chose qui est en train d'exploser de façon considérable. Et je ne parle pas des paris sportifs, et je ne parle pas du storytelling, des films qu'on essaye de vendre autour d'athlètes mis en scène pour réaliser des clips, voire éventuellement des séries télé. Donc voilà un petit peu le scénario. Alors, tout ça pour vous dire que dans les grands clubs, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans les grands clubs, il n'y a plus les grands clubs qui ont des internationaux. Il y a 15 ans, ils avaient 50 jours neutralisés dans les clubs. Je prends l'exemple sur l'équipe de Pau de basket. Ils avaient 50 jours où le club de Pau les laissait tranquilles. Mais quand on laisse tranquilles les joueurs au niveau du club, ils sont invités, souhaités au niveau des équipes nationales. Alors, s'il est dans les 50 jours, il va plus rien rester. Parce que la compétition internationale, c'est la préparation, on va dire, 3 semaines. Et encore, je dis 3 semaines parce que c'est réduit aujourd'hui à cette dimension-là. C'est un ersatz de préparation. Et 3 semaines minimum de compétition, ce qui fait que les 50 jours, il n'en reste plus grand-chose. Conséquence. Les joueurs ne font plus de reprise, donc n'ont plus d'interruption ou de phase de transition, de récupération, etc. en Europe. Ce qui n'est pas le cas de la NBA. En NBA, ils finissent, mettons, en juin, ils reprennent en novembre, enfin en octobre. Ils ont, mais même si c'est mi-juin ou fin juin, si on va tout au bout, ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes, ils ont quand même plusieurs mois pour se réparer, pour se régénérer. Mais en Europe, les joueurs n'ont pas cette durée-là. C'est impossible. Donc, ils ne font plus de période de transition. Ils ne font pas de reprise. Et ils se relancent, tout ça, dans la compétition d'après. Alors après, il ne faut pas s'étonner s'il y a quelques accidents, puisqu'on ne s'arrête jamais. Il faudrait et c'est même pas s'arrêter quelques jours. C'est, si on veut que les articulations se réparent, il faut s'arrêter 3 semaines, 1 mois. Pour que les cartilages se régénèrent, etc. Donc aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et du coup, si vous regardez un peu le scénario, voilà, j'accélère un tout petit peu, le nombre de matchs et déplacements, les entraînements diminuent, et les joueurs sont bien contents d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas vraiment envie de s'entraîner. Et leur saison diminue, les blessures augmentent, les coûts des blessures augmentent. Dans une structure franchise NBA, on évalue ça à plus de 100 millions de dollars par an,
le coût des blessures est évalué à plus de 100 millions de dollars par an pour une franchise. C'est énorme. Donc on a quand même intérêt à faire quelques progrès dans la connaissance. Et les grandes préoccupations scientifiques aujourd'hui, elles tournent sur la récupération et l'évaluation de la fatigue, voire la prévention des blessures, et la prévention des blessures, des sujets qui ne sont pas tranchés, où il faut bien sûr prendre des positions, où les choses sont essayées. Mais on est plutôt en train d'essayer que de savoir exactement comment ça marche. Et dans tout ce scénario, les agents et les structures privées viennent s'infiltrer, ce qui complique bigrement la situation, en bien ou en mal, plus souvent en mal. Mais je peux vous donner un exemple en bien, il est tellement rare. Un agent pas trop bête, qui a des joueurs en NBA, envisage de contacter un nutritionniste, biologiste de très haut rang, pour conseiller les joueurs. Alors, quand cette agence s'adresse à quelqu'un de qualifié qui risque de donner de bons conseils, banco, on peut toujours prendre. Mais les agents donnent rarement des bons conseils. Surtout que les joueurs ont plutôt tendance à écouter leurs agents que leurs entraîneurs. Donc, vous voyez un petit peu les problèmes qui peuvent surgir de ça. Et par rapport à ces équipes qui deviennent de plus en plus importantes, les staffs deviennent... On est au plus de 7 ou 8 cadres qui sont chargés de la préparation physique chez les Spurs, avec un responsable scientifique, avec plusieurs chercheurs en réseau, avec des... Alors là, il y a un type de personnes qui vont disparaître, c'est les gens qui faisaient, disons, la préparation physique générale, n'ont plus le droit d'intervenir sur le sujet. Ils doivent d'abord passer par le directeur scientifique qui donne des consignes aux athletic trainers qui interviennent directement sur les joueurs, et le conditionneur, qui est celui qui faisait un peu la préparation physique générale, il n'a pas le droit d'intervenir sans le feu vert du directeur scientifique. C'est-à-dire que ça fait bouger les relations intra-club, ça change la hiérarchie décisionnelle et ça change le métier de préparateur physique. Parce qu'il va être asservi, pas toujours, mais il risque d'être asservi à une autorité scientifique qui n'est pas toujours au fait même du savoir empirique. C'est souhaitable qu'il l'ait, mais ce n'est pas toujours le cas et ça peut compliquer la situation. Voilà les questions donc aujourd'hui se posent autour de les charges critiques. Qu'est-ce qu'on peut faire de façon, disons, combien faut-il de charges plutôt élevées et combien faut-il de charges pas très élevées? Et quel ratio privilégier? Le jeu devient plus spectaculaire, je me suis longtemps exprimé là-dessus. Quels seront les stars de demain? Alors, on va avoir deux types pour le basketball, mais pour d'autres sports, ça va être pareil. On a la dimension verticale, va être valorisée en basket, mais dans d'autres sports. Les joueurs sont de plus en plus grands, etc. Aujourd'hui, il y a un jeune joueur de 16 ans qui mesure 2,20 m, qui a une motricité... prenez le nom et vous trouverez sur Internet des vidéos sur lui, vous verrez, c'est impressionnant. 2,40 m d'envergure, 95 de détente sèche, et pas débile du tout. Alors ça devient... C'est vraiment très impressionnant à voir. Et puis vous allez avoir d'un autre côté, pour le basket, mais on peut voir ça aussi au football, ceux qui tirent de plus en plus loin. Alors aujourd'hui, vous avez des joueurs... qui tire facilement à 9-10 mètres sans souci. Peut-être 11 mètres, peut-être 12 mètres, peut-être la ligne des 3 points va reculer, peut-être qu'elle va disparaître. J'ai des amis basketteurs qui disent « Non, cette ligne des 3 points, c'est un non-sens. Ça ne valorise pas le jeu. Le joueur, il reste à l'écart des autres, il tire, il marque. » On ne peut plus aujourd'hui jouer sur tout le terrain en basket parce que le volume de la dangerosité a tellement augmenté qu'on ne peut plus défendre aujourd'hui, ou alors il va falloir changer les règles. Ce qui n'est pas impossible. Hein. Voilà un petit peu. Alors, ça aussi, ça aurait été dommage d'oublier ça. Les salaires, ça concerne aussi les entraîneurs. Vous êtes bien d'accord avec moi. Mais quand vous faites le ratio, un entraîneur touche... Au football, je crois que c'est pareil. C'était pareil pour Laurent Blanc. 3 fois moins que la star. Comment voulez-vous peser lourdement
sur un joueur qui gagne trois fois plus que vous. C'est pas facile. Il faut trouver un tas d'artifices. Et on va en parler tout à l'heure. Donc lui, il a le nommé LeBron James. Il s'est fait la tête de David Blatt, qui était quand même un entraîneur de grande réputation, qui était très titré. Enfin, personne ne remet en cause. Même le club l'a honoré l'année d'après, donc vous voyez bien. Mais pour des raisons, pour éviter tout gros conflit avec la star locale, on a préféré se séparer de l'entraîneur et l'honorer l'année d'après sous pression de LeBron James. Pensez-vous qu'au PSG, il y a un joueur qui ne veut pas courir plein pot plus de 15 mètres ? Il ne veut pas. Alors, je ne sais pas comment les entraîneurs se débrouillent. Enfin, il ne voulait pas. Pas facile. Aller performer dans ces conditions-là, c'est très compliqué. Le staff est soumis. Les staffs se servent du temps de jeu aujourd'hui, puisqu'on ne s'entraîne plus beaucoup. Les qualités athlétiques, à part des qualités neuromusculaires qui ont augmenté, mais les qualités énergétiques, pas forcément. On partage le temps de jeu. Comme ça, on a moins de blessés. On oblige les remplaçants à prendre des risques, donc à faire des progrès, à justifier aussi leur salaire, et on peut tenir la saison entière. Donc l'entraîneur prend des risques. Et les médias et sponsors sont très exigeants avec eux, évidemment. Alors, comment on fait pour recréer des dynamiques là-dedans ? C'est pas évident. Alors, c'est Henri en parlait tout à l'heure, c'est difficile de donner des ordres quand on entraîne. Il faut arriver à convaincre. Donc, il faut discuter, discuter, discuter. Il faut réussir à créer du lien entre l'entraîneur et les joueurs, ou entre les joueurs. Et on utilise aujourd'hui quelque chose qu'on ne voulait plus utiliser il y a 10 ou 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait fonctionner l'équipe, c'est le niveau émotionnel. C'est-à-dire que sinon, ils n'ont pas envie de faire des équipes nationales. Ça ne les intéresse pas. Sauf s'ils y retrouvent des amis, des souvenirs, s'ils retrouvent un passé. On peut redonner de la motivation si on arrive à comprendre qu'on est en même temps en permanence filmé. Donc vous êtes obligé d'avoir un certain standing quand vous êtes une star dans une équipe. Sinon, le public ne va pas vous apprécier. Et ça va être très... Votre image marchande va baisser et vos salaires vont baisser. Donc vous êtes obligé d'avoir une certaine tenue. Et aujourd'hui, la grande peur des responsables d'équipe nationale, c'est que les joueurs ne se tiennent pas bien. À la limite, peu importe si on perd. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas d'histoire. Il ne faut pas qu'il y ait d'histoire. Il faut que l'équipe soit perçue comme étant une équipe saine, où les problèmes existent probablement, mais n'apparaissent pas à la surface. Et c'est de plus en plus difficile avec une presse qui est à l'affût du moindre signal. Il suffit de repenser au mondial de foot de 2010, c'est ça. Voilà. Donc les émotions positives deviennent structurantes. Et là, on retrouve une démarche qui avait été adoptée par la Fédération de basketball, c'est que les équipes de France vont vers les spectateurs potentiels, et en retour, les spectateurs potentiels vont vers les joueurs. C'est-à-dire qu'il y a une circularité qui se crée parce que l'équipe de France est allée vers les joueurs et en échange, vers les spectateurs, et en échange, ceux-ci vont aller voir l'équipe lorsqu'elle se produit, etc., à la compétition majeure. Ce qui permet de comprendre, cette circularité permet de comprendre la grande réussite, enfin un élément en tout cas, parmi les éléments de réussite du championnat d'Europe de 2015. Alors, les défis pour les coachs aujourd'hui, c'est de savoir s'il faut s'entraîner ou récupérer. Il faut arriver à vivre ensemble. Et c'est le plaisir qui va vous donner l'élément structurant. Il faut accepter les risques, faire des essais, sans affaiblir la confiance qui est majeure, et diriger des hommes dont on souhaite qu'ils deviennent autonomes, et ça, c'est pas toujours facile. Et pour réussir à cela, il faut former des athlètes autrement que qu'on a pu l'imaginer pendant tout un tas d'années. Comment voulez-vous que des joueurs adultes soient autonomes si lorsqu'ils étaient jeunes, on leur a appris à faire de la chorégraphie au lieu de faire du basket ?
Comment voulez-vous qu'on devienne performant si on vous a appris à ne pas décider mais à réciter? Donc les équipes qui arrivent à installer ça très tôt dans la formation des joueurs vont créer des structures mentales qui leur permettront d'aborder le jeu de façon probabiliste. Vu l'expérience que j'ai acquise en prenant tel et tel risque, il va plutôt se passer ça que ça. Et si j'ai passé toute ma formation de joueur avec en tête cette alternative, accumuler de l'expérience dans des choix autonomes vous permet de grandir, d'aller très loin. Et c'est la stratégie des Espagnols. Les Espagnols en basket, dans tous les sports, ils ont la même stratégie. Jouez vite, la vitesse donne des solutions, vous ferez beaucoup d'erreurs, c'est pas grave, mais vous aurez décidé. Et en ayant décidé, vous progresserez. Voilà un petit peu des stratégies vers lesquelles il faut arriver à se pencher, quoi, si on veut arriver, parce qu'il faut quand même bien les former, les joueurs, hein, et les former à être des joueurs autonomes. Parce qu'aujourd'hui, on s'épie tellement, les équipes sont tellement observées, que vous êtes attendu de tous les côtés. Donc si vous n'avez pas été formé à être autonome et avoir une approche dans votre tête de plus haute probabilité d'action qui se passe ça que ça et ça, vous ne pouvez plus jouer aujourd'hui. Si vous êtes dépendant de l'entraîneur, vous ne pouvez plus jouer sur un terrain. Vous jouez au basket, on joue à 5 contre 4. Quand un joueur décide de rien, on joue à 5 contre 4. Quand un joueur refuse un tir, il va se passer un tir derrière qui sera 10 fois moins avantageux parce que la bonne décision n'aura pas été prise en temps opportun. Donc il faut apprendre aux joueurs à décider. Donc voilà, décider. Et des fois, ça ne donne pas forcément de la réussite sportive. Et aujourd'hui, par exemple, il y a des pays qui ne veulent plus être dans le carré des meilleures équipes de jeunes à 16 ans et qui disent « Mais ça, aujourd'hui, ça ne nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse, c'est d'être dans le carré à 18 ans, voire 20 ans. Donc on peut faire, pas une impasse, mais on peut se donner du temps au temps pour former des joueurs qui seront des joueurs autonomes, etc. etc. Donc voilà un petit peu les problématiques. Il y a une très grande inégalité entre la médiatisation des différentes disciplines, même si une discipline comme l'escrime s'efforce de modifier ses règles pour qu'elles soient lisibles par la télévision, mais il résulte de ce que tu viens de dire là, qu'il y a d'énormes différences en termes de médiatisation et qu'il y a des sports, notamment les sports collectifs, qui drainent des sommes considérables, qui constituent des enjeux majeurs au plan économique, et puis il y a d'autres disciplines qui ne pèsent pas lourd et qu'on les voit une fois à la télévision au moment des Jeux Olympiques et puis en dehors de ça, on ne les voit pas. Et là, il y a vraiment, je trouve, par rapport au mouvement sportif en général en France, des inégalités flagrantes avec comme conséquence, au-delà, si on va vers le sport à l'école, entre guillemets, le fait que, il y a des disciplines vers lesquelles les enfants vont être attirés et d'autres, ils ne pourront pas. Bon, il y a d'autres considérations. Mais ce qui m'apparaît, c'est ces profondes inégalités entre les différents sports et liées à l'argent. Par ailleurs, une remarque aussi, c'est qu'à l'époque où nous étions dans le sport de haut niveau, on parlait d'amateurisme et de professionnalisme. Hein, il y avait le professionnalisme véritablement a commencé pour notre discipline, le basket, dans les années 60. Mais pour les Jeux Olympiques, le professionnalisme et les joueurs de la NBA sont arrivés en 92. Dernière remarque, c'est que, tu l'as souligné, c'est que les règles, dans toutes les disciplines, on s'efforce d'adapter les règles de jeu pour créer des conditions qui permettent la médiatisation. Et, par exemple, les couleurs des balles, les lignes de terrain, etc. Et qu'en même temps, on s'efforce de créer des règles qui maintiennent
le suspense jusqu'au bout. C'est l'histoire de la ligne des trois points au basket en 84, où cette ligne, elle a modifié les alternances possibles dans le jeu. Alors, une remarque aussi, une dernière, c'est que quand on parle avec des gens de moi, ma discipline, le basket, les gens, ils ont, pour les gens qui ne connaissent pas bien, ou même des enseignants d'éducation physique, ils parlent du basket de la NBA. Et alors, on leur dit, mais il n'y a aucune mesure entre le basket de la NBA et le basket qu'on pratique dans la cour de l'école. Voilà. Hein, et même, on ne peut pas juger... On ne peut pas juger du basket de haut niveau de la NBA comme on regarde le basket de pratiquants dans une cour d'école. Je vais répondre rapidement sur les sports plus ou moins médiatisés. Je pense que les instances internationales pourraient jouer sur la redistribution, plus qu'elles ne le font. On peut aussi jouer sur les technologies, où on rend plus attirant certains sports, plus faciles à comprendre en tout cas. Je pense à l'escrime. Moi, j'essaie de regarder l'escrime. Pour moi, c'est difficile. Je ne connais pas bien. Mais ils ont fait des efforts. Ils ont fait des efforts avec les couleurs qui s'allument. On commence à comprendre. Bon, il y a ça. Et ce qui est important par rapport à la remarque sur l'école et la NBA, ben je dis oui, c'est pas pareil. Sauf que les joueurs, les gamins, ils regardent NBA. Et ils regardent des choses qu'on ne leur enseigne pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, ils vont apprendre en regardant. Et l'enseignant, il doit être capable d'être médiateur de ça. Le gamin, il n'arrive pas vierge quand il va. Même s'il y a une séance utilisant le basketball, on va dire, le gamin, il n'arrive pas vierge. Il va peut-être savoir faire tout un tas de choses. Et, par exemple, il va voir qu'on peut dribbler dans le dos. Si c'est pas difficile, il va y arriver très vite. Tous les gamins qui jouent au basket ou pas arrivent à dribbler dans le dos. Mais je reviens avec ce que je voulais vous dire, ce que je vais vous dire derrière. Pendant des années, c'était interdit. C'était interdit par les techniciens français. Et il y a des joueurs qui n'ont plus été sélectionnés en équipe nationale parce qu'ils avaient copié Bob Cousy, ils l'avaient vu jouer, ou ils avaient joué contre lui, se sont mis à faire la même chose que lui en imitant. Et le faire en équipe nationale, eh bien, viré, mon gars. Interdit. Donc, il y a tout un tas de trucs. Vous voyez bien que c'est ce que je vous dis là, ça concerne des champions. Mais c'est vrai aussi pour des gamins. Les gamins, ils apprennent en regardant. Ils apprennent par les images. Et on doit être médiateur de ça. Voilà. Oui, Bernard. Ça fonctionne ? Oui, aujourd'hui, le maintien au programme olympique dépend beaucoup de la capacité qu'ont les fédérations internationales à faire évoluer leur sport. Je prends le pentathlon moderne qui passait d'une épreuve par jour à 5 épreuves en un jour et qui a même transformé sa dernière épreuve pour maintenir le suspense dans le biathlon tir-course. Donc la grande question qui se pose à ces fédérations et en tout cas à ces sports, pour être au programme des Jeux et donc être médiatisé, on en revient toujours à ça, c'est quelle est leur capacité à modifier d'une façon un peu logique, ou en tout cas pas logique, mais en tout cas qui correspond à l'attente des spectateurs, pour rester au programme des Jeux Olympiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui risque de se produire pour certains sports qui, par manque de médiatisation ou manque d'intérêt, vont disparaître du programme. Ou manque de pratique. Il y a tellement peu de praticiens qu'à un moment donné, ça pose... Hier, ça faisait partie des critères, notamment pour être classé A, B, C ou D dans... Et j'ai juste une deuxième remarque, et je voulais ton avis là-dessus. L'année dernière, quand l'équipe de France perd finalement la qualification directe aux Jeux Olympiques de basket, en ayant fait 10 matchs de préparation sur le territoire français, en ayant perdu un peu d'énergie, je pense, dans cette tournée très importante avant les championnats d'Europe, je crois qu'il a manqué un peu de carburant dans la dernière ligne droite pour pouvoir être qualifié directement. Qu'en penses-tu ? Oui, tout à fait, mais c'était un choix politique. Donc, voyez, là, on peut dire, franchement, la performance n'a pas été optimisée parce qu'il a été décidé de faire des matchs de présentation sur le territoire et de s'entraîner très peu. Ça a été décidé, ça a été imposé à l'entraîneur qui l'a accepté. Ça a un coût en termes de rendement sportif. Bon, alors, à côté de cela, tout un tas de choses ont été mises en place.
sur les conditions de transport, sur tout, tout a été fait autant que possible. Mais ils ne se sont pas entraînés. D'ailleurs, ce qui caractérise aujourd'hui les performances des équipes qui ne s'entraînent pas, les performances sont fluctuantes. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. L'équipe qui a bien travaillé, en général, elle ne descend pas en dessous d'un certain niveau. Quand on ne travaille pas, on est à la merci de n'importe quoi. Voilà. Voilà un petit peu. Mais là, il y a conflit, hein, parce que je reviens un petit peu sur ce qu'a dit le président de la fédération quand il est venu l'an dernier. Il fallait arriver au quart de finale et il fallait remplir les salles. Enfin, il y avait deux objectifs difficiles. Si on ne remplit pas les salles, on perd beaucoup d'argent. Et si on n'arrive pas au quart de finale, on perd des droits télé, c'est une catastrophe. Et il faut remplir les salles, ça a été mis d'abord en premier, et on a mis en deuxième, il faut se qualifier. Donc les gens pensaient que ça suffirait. Parce que quand même, à l'époque, on ne l'a pas dit, mais moi je peux me permettre de le dire, l'équipe de l'Espagne de 2015, c'était une petite équipe. Il manquait beaucoup de joueurs. Donc si l'équipe de France avait été à son niveau, elle aurait gagné. Voilà. On peut enchaîner peut-être ? Je suis bavard un peu, j'ai pris un peu de temps, mais bon, comme il n'y a pas trop de bruit dans la salle, je me suis dit. Alors, on est sur cette partie-là, la partie des technosciences. Aujourd'hui, pendant des années, on a essayé de mieux cerner les contraintes, la demande énergétique de certains sports et les contraintes sur les systèmes énergétiques. Ça a été vraiment un centre de questionnement très important. Aujourd'hui, peut-être qu'on a fait le tour du sujet, peut-être pas, mais disons, les grandes avancées ne vont plus dans cette direction-là. Les grandes avancées vont vers l'évaluation de la charge mécanique. Pourquoi ? Parce qu'on a les outils sur le plan énergétique, on a les outils, tout ça, ça fonctionne bien. Et puis, on a des nouveaux outils qui apparaissent sur le plan de l'évaluation de la charge mécanique. Et puis, la charge mécanique, c'est en toile de fond, mieux cerner les éléments de la fatigue, de la baisse de forme et de la blessure. Donc voilà un petit peu, pour des raisons purement, comment dire, d'avancer les connaissances, mais aussi pour des raisons sportives, l'intérêt est centré sur les charges mécaniques. L'intérêt est aussi centré sur la variabilité des joueurs, de leurs prestations. Parce que c'est très simple, puisqu'on est capable d'étudier, d'espionner tout joueur de la planète, même si on habite à l'autre bout du monde, ça serait quand même peut-être mieux que le jeu, s'il se standardise sur certains côtés, se personnalise sur d'autres, pour que les joueurs deviennent des joueurs créatifs. Donc on essaye de voir quelles sont les phases de jeu un peu inattendues dans lesquelles les joueurs vont s'en sortir, et voir aussi, ce qui est important, c'est d'avoir le background du joueur, parce qu'on sait très bien que quand il est fatigué, il va refaire ce qu'il fait le mieux. Donc il y a d'une part savoir ce qu'il sait faire le mieux, et savoir ce qu'il risque de faire s'il est en état de fraîcheur. Et aujourd'hui, on utilise comme outil la charge mécanique ou la charge de jeu en termes d'action de jeu, par minute de jeu, et c'est un indicateur de prédictif des blessures. Juste une question, ça veut dire quoi le NM Oui. Oui. Donc là, je passe vite, parce que, grosso modo, moi, j'ai travaillé dans les années 90 sur du tracking de joueurs, c'était du très, très manuel. Aujourd'hui, l'acquisition est automatisée en temps réel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de capture, il n'y a plus d'intermédiaire. C'est-à-dire que le match est numérisé, les joueurs... Et regardez bien un petit peu comment ça se passe. On sait exactement, à 30 cm près, où sont les joueurs à tout moment. Et on sait aussi quelles sont les distances relatives des joueurs à tout moment. Et on sait aussi les accélérations créées ou subies de tous les joueurs dans chaque rapport de force. Donc tout ça, ça fait pour un match, en termes de données récoltées, vous avez 48 minutes sur le match de jouer. Vous avez 10 joueurs qui ont joué. Vous avez 60
60 secondes par minute et vous avez 30 acquisitions par seconde avec le système qu'a mis en place la NBA. Ça vous fait pour un match 35 millions de données, de lignes, et si on prend les 3D, ça vous fait 100 millions de données pour un match, pour un seul match. Alors avec ça, on peut en faire des choses. On peut en faire des choses pour jouer, mais ce n'est pas trop l'objectif. L'objectif, c'est de faire des jeux virtuels. Donc autant, si on veut créer des matchs ou des 1 contre 1 entre vous et un joueur sur un écran, autant que vous donniez aux joueurs fictifs des vitesses à peu près réelles, qu'il y ait une fluidité de l'image à peu près réelle, pour que ça vous donne envie de jouer. Alors, les vitesses instantanées des joueurs, aujourd'hui, elles peuvent être acquises sans trop de problèmes. Et on arrive, donc si vous voulez, on se rend compte qu'au niveau de la consommation d'oxygène maximale, les joueurs, ce n'est pas des grands consommateurs. Mais par contre, ils ont des capacités d'accélération excessivement élevées. J'ai pris des chiffres sur des footballeurs professionnels. Si vous voulez, là, on arrive à des vitesses qui approchent les 9 mètres secondes pour une trentaine de mètres de course. 9 mètres secondes, c'est pour des footballeurs pros, hein, ce n'est pas les meilleurs. Bon. Et Parker, par exemple, il a été, je ne l'ai pas mis là, mais il a été suivi à 9,3 mètres secondes. Alors peut-être il y a de l'erreur. Je pense que c'est un peu surestimé, parce que Bolt, il a besoin de 30 mètres pour arriver à cette vitesse-là. Mais mettons qu'on enlève 2-3 dixièmes de mètre seconde, il est à 9 mètres secondes, grosso modo. Pour atteindre 9 mètres secondes, quand on est sur un terrain de basket, il faut vraiment accélérer. Hein. Vraiment accélérer. Donc, je pense que c'est pas avec la balle, mais bon. C'est difficile d'évaluer la vitesse maximale des joueurs. Très difficile. Parce que quand ils courent, ils ne font jamais à leur maximum. Par contre, quand ils dribblent, ils vont à leur maximum. Donc on a beaucoup. On dit qu'ils courent plus vite avec le ballon que sans ballon, ce qui n'est pas possible. Ils ne perdent pas grand-chose. Mais quand ils courent, ils ne courent pas à fond. Parce qu'il n'est pas motivé pour courir à fond. Alors aussi, en NBA, on étudie les accélérations de tous les joueurs. En dixième de G, etc. Donc les dixièmes de G, on est au niveau de la marche. Quand on est à un dixième de G, on est au niveau de la marche. Jusqu'à 6 ou 7 dixièmes de G sur des accélérations qui sont très violentes. Et on a donc une somme, même s'il y a peu d'éléments qui sont... il y a peu d'accélérations à 0,7 G. C'est des accélérations extrêmement fortes qui sont extrêmement traumatisantes. Donc il faut le savoir, parce que c'est pas... La charge énergétique n'est pas très contraignante. Elle l'est, mais bon. Par contre, la charge mécanique, elle est extrêmement importante. Et puis, il y a le côté comment dire, tout ce scouting, cet espionnage, fait que les joueurs, ils ont quand même leurs préférences et ils ne viendraient pas à l'idée d'un sportif de changer de pied de frappe ou d'action technique parce qu'il sait qu'il est espionné. De toute façon, son habileté, ça ne va pas être de faire autre chose. Son habileté, ça sera de faire la même chose, plus tard ou plus tôt, et d'une façon un peu différente. Donc il y a d'une part ce qu'on peut appeler la flexibilité de la réponse et de la plasticité par rapport aux situations. Donc les bons joueurs font preuve d'une grande plasticité dans leur fonctionnement de joueur, neuromoteur, et une grande flexibilité motrice, pour faire face à des situations pas très faciles à gérer. Parce que tirer un tout petit peu plus vite, ou retarder un petit peu plus, ou se fléchir un peu plus pour trouver un contre-temps, etc., font l'habileté des joueurs. Alors le big data, puisque c'est ce que je vous disais il y a quelques moments, le big data, ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur à qui appartiennent les données. Les joueurs ne veulent pas que les données récoltées sur eux circulent. Par exemple, un joueur qui fait semblant de jouer, ou on va dire qu'il est blessé. On va bien voir qu'il est blessé, il ne s'engage pas. Donc les joueurs NBA ont obtenu l'assurance que les données récoltées par le suivi automatique ne seraient pas à disposition de la presse. Ils ont exigé ça. Et en même temps, on a beau avoir beaucoup de données,
Moi, je dirais que pour le moment, on a plus de données que de modèles. On a des données, mais le problème, c'est plutôt l'interprétation des données qui est délicat. Et tout ça, ça a des conséquences, c'est que il faut quand même avoir un savoir clinique très développé. C'est-à-dire que si vous devez avoir des collaborateurs scientifiques très, très fins, très, très habitués à manier des outils, il faut aussi qu'il y ait un savoir clinique très fin aussi, développé chez les entraîneurs. Je dirais même une bivalence, pas symétrique, mais il faut que le scientifique ait une compétence à minima d'entraîneur, et il faut que l'entraîneur ait une compétence à minima des données technologiques. Sinon, il va disparaître. Il est déjà un peu en train de disparaître. Celui qui ne manipule pas des applis qu'on peut retrouver sur les smartphones et tout ça, je ne vois pas comment il peut être préparateur physique dans un grand club. Ça me paraît impossible. Aujourd'hui, avec une appli comme... Je ne veux pas faire de publicité, mais moi, je me la suis acheté pour voir. Je me suis acheté MyJump. Alors maintenant, il y a MyJump 2, etc. Bon. Et en une fraction de seconde, vous avez... d'une façon extrêmement précise, la détente, détente sèche, alors peu importe la technique de saut à ce moment-là, vous l'avez en instantané. Vous pouvez même filmer et le traiter chez vous. En une demi-seconde, vous avez la performance. Tout ça, ça peut être stocké très rapidement. On peut stocker très rapidement les différentiels de force. On peut stocker très rapidement l'élasticité musculaire en voyant les différences entre squat jump et contre mouvement jump. On peut aussi tester tout un tas de paramètres avec des outils très simples sur les accélérations, etc. Donc ça, tout ça, ça va bouleverser la hiérarchie des staffs. Et aussi, puisqu'on sait que la répétition maximale d'un effort maximal qu'on fait une fois renvoie à une vitesse constante. Donc à partir des vitesses, on peut estimer aussi le niveau d'engagement. Et on essaie de proposer des systèmes aujourd'hui. Alors ça, c'est utilisé par les Spurs, qui date de 2005. Donc là, il a un suivi sur écran des déséquilibres gauche-droite qu'il subit ou qu'il agit sur la plateforme. Et il est renseigné en temps réel sur les variations d'équilibre qu'il doit gérer sur la plateforme. C'est-à-dire qu'il a un feedback temps réel et qui lui permet donc d'avoir un retour extrêmement rapide vers les fuseaux neuromusculaires, c'est les circuits les plus rapides, pour gérer son déséquilibre permanent. Et l'intérêt de ce système-là, c'est qu'il vous donne un feedback, donc vous apprenez. Alors qu'avec d'autres systèmes, on n'a pas de feedback. C'est-à-dire qu'avec les coussins WAF, par exemple, sur des coussins absorbants, on apprend à se rééquilibrer. Mais on n'a jamais un retour direct de l'action entreprise. Donc là, on est à quelque chose de top niveau. Alors à l'époque, ça valait... c'était en francs, ça devait valoir 50 000 francs l'unité, plus l'informatique, etc. Ça a été développé par Cometti en 2006. C'est utilisé par les Spurs aujourd'hui en 2015 ou depuis 2011. Ça fait 6 ans que ce système-là est utilisé en NBA comme étant un outil d'entraînement. Alors, cet outil d'entraînement, il est obligatoire tous les jours 20 minutes. Ça fait partie d'une routine d'échauffement. Alors, ce qui est surprenant aussi, c'est qu'il n'y a pas un appareil. Il y a 5 ou 6, j'ai une photo où j'en vois 5, mais je crois bien qu'il y en a 6. Il y a 6 appareils qui attendent le client. Et quand vous êtes chez les Spurs, vous passez par cet atelier-là qui vous prend 20 minutes tous les jours. Donc là, tout le monde est persuadé qu'on réduit le nombre de blessures, mais on réduit la gravité des blessures. Donc voilà un système de feedback externe qui utilise l'info visuelle et qui marie l'information proprioceptive avec l'information visuelle. Et en plus, ce qui compte, mais aujourd'hui vous le savez bien, c'est à gagner en force, c'est clair, parce que c'est ça qui va faire les différences pour tous les sports, en puissance. Bon, si vous avez de la force, vous aurez de la puissance, ou vous serez obligé d'aller vers des programmes de puissance, mais si vous n'avez pas de force, vous n'aurez jamais beaucoup de puissance. Donc il faut être puissant. Seulement, on a oublié une chose,
c'est qu'on a fait un gainage de base et en même temps, on a développé énormément la force. On n'a pas remis le niveau de gainage au niveau de force acquis. Et on a des blessures. C'est-à-dire que si vous n'avez pas beaucoup d'engagement de force et que vous n'êtes pas très bien gainé en relation avec les demandes de vos sports, ça peut encore passer. Mais si vous faites des gains de force, et c'est, tout le monde ici essaye d'aller dans cette direction, mais souvent en oubliant que plus vous gagnez de force, plus vous devez être gainé. Sinon, vous allez dans le mur. Ça, c'est très important. Donc, voilà. Alors, il y a aussi d'autres tests, parce qu'aux Spurs, ils sont très préoccupés par la fatigue. Et ils ont deux tests, mais qui sont connus sur toute la planète. Moi, j'ai vu ça dans un article de Norbert Kranz, qui est de la maison. Tester s'il y a une érosion de la souplesse de la cheville, c'est peut être considéré comme étant un indicateur de fatigue central. Vous avez aussi, alors on étalonne, on dit si perd tant de souplesse par rapport à un repère au mur, il doit être capable de se fléchir sans perdre le contact avec le mur. Et si il doit s'écarter, s'il ne peut pas s'écarter du mur parce qu'il perd le contact avec le mur, c'est qu'il il a perdu de la souplesse à un moment donné. Donc c'est un bon indicateur. Vous avez aussi, alors là ça vient des Spurs, un test de fatigue centrale. Alors je ne sais pas, il y a eu beaucoup d'articles scientifiques là-dessus, mais moi je ne suis pas assez compétent. Mais celui qui propose ça, c'est Ravi Schilling. Il a près de 40 publications internationales scientifiques. Je pense qu'il ne fait pas ça, il n'a pas fait des insomnies seulement la nuit. Il y a une certaine une idée derrière. C'est que on vous met un appareil de temps, un tensiomètre entre les genoux, on vous fait prendre une position pied à plat, genoux serrés, etc. On gonfle à, je ne sais plus combien, 20 mm de mercure, et vous devez faire un effort isométrique de quelques secondes, le plus élevé possible. Et vous avez votre repère à vous, qui est personnel. Et si, dans ce retest, vous perdez là plus de 10 ou 15% de votre record, je ne suis pas capable pour vous dire si c'est vrai, ce serait un indicateur prédictible de la fatigue centrale. Alors, eux, les Spurs fonctionnent là-dessus en faisant l'hypothèse que ça fonctionne. Pour le moment, ils manipulent là-dessus, ils font. Ils savent pas. Il y a beaucoup de choses qui sont faites parce qu'ils sont ouverts sur le monde, parce qu'ils regardent ce qui se fait, mais ils les font sans forcément avoir toutes les réponses. Et vous avez aussi ces fameux outils de musculation concentrique, excentrique, où ils en ont, vous voyez, là, au Spurs, ils en ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils en ont peut-être une dizaine. C'est des outils qui valent cher. Et qui vous demandent une force excentrique de retenue quand vous avez fait un effort concentrique contre une résistance qui est symétrique. Alors l'intérêt de l'outil, c'est qu'il vous permet d'avoir peu de charge, peu de résistance à vaincre, pour obtenir des très grands niveaux de puissance. Donc peu agressif pour les articulations, puisqu'il n'y a pas beaucoup de masse à déplacer. De masse à déplacer. Donc ils font ça une fois par semaine. Alors comment ils ont décidé? Eh bien, ils sont adaptés à la littérature scientifique. Ils sont... je n'ai pas mis là, mais grosso modo, ils font deux séries en pré-saison sur trois exercices et des séries de 5 répétitions. Et en saison, ils font une fois par semaine, 5 répétitions maximales sur 3 exercices, point à la ligne. C'est qu'avec, ils essayent grosso modo d'optimiser, de s'entraîner, pas trop vu qu'ils matchent quand même quelquefois 4 à 5 fois en 6-7 jours, ils s'entraînent quand même une fois par semaine pour entretenir leur musculation. Alors, 3 anecdotes, je vais en donner que 2 parce que... Les images sportives, il y a une époque, il n'y avait pas d'image. Je vous l'ai dit tout à l'heure. L'absence d'image a permis tout discours pseudo-technique. Je vais vous donner un exemple. Il y a un entraîneur français qui avait fait fort de volonté, qui a essayé de lire des articles américains il y a une trentaine d'années, 40, et il avait compris que le jeu sans ballon, basket, c'était vraiment important. Il n'y avait pas d'image, hein.
40 ans, mais on va dire 50, 40. 40, il n'y avait pas d'image. Alors, il est revenu en France, où il était en France, mais il a entraîné ici des joueurs pour jouer au basket. Ça aurait été, le football, ça aurait été pareil. Sans ballon. Sans ballon. Il y avait zéro ballon. Parce qu'il avait mal interprété la traduction du jeu sans ballon. Le jeu sans ballon, c'est le jeu des neufs qui n'ont pas la balle. Pas d'image, donc toutes les portes sont ouvertes pour dire des conneries. Donc ça, c'est quand même important. Autre exemple, et là, je vais rester un tout petit peu, parce que vraiment, quand je vois ça, ça me fait mal quelque part. Il y a bon nombre d'entraîneurs, encore aujourd'hui peut-être, qui pensent que la balle rentre dans le panier ou essaye d'y rentrer en faisant une trajectoire un peu bizarre, c'est qu'elle monterait un peu comme si c'était une parabole, sauf qu'elle descendrait verticalement. Moi, j'ai vu des dessins dans des livres parus en français où il y a ce dessin-là. Et il y a des entraîneurs persuadés aussi que ça se passe comme ça. Donc, ils enseignent forcément des choses bizarres. Puisqu'ils disent qu'il faut atteindre le point haut près du panier, puisqu'après, ils retombent tout droit. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, il y a des images. Donc, le discours technique, il est sauvé par les images. Et heureusement qu'il y a des images, parce que les rigolos vont disparaître de la circulation. Si vous commencez à dire des choses au basket, la passe à terre, ça ne doit pas se faire. Moi, je l'ai entendu par des entraîneurs nationaux de basket. Et si vous regardez n'importe quel match de basket, n'importe quel gamin qui joue au basket, les passes à terre, il sait faire. Et c'est même, je dirais, plus facile à recevoir. Pourquoi ? C'est plus facile à recevoir parce que la balle arrive plus lentement vers le destinataire. C'est-à-dire que le chemin étant, c'est plus facile de contrôler une balle à terre qui revient de terre que de haut, et c'est plus facile de recevoir des balles à terre dans des petits espaces. Et si vous interdisez les passes à terre, vous interdisez de jouer. Et si l'entraîneur dit ça, le gamin qui a vu à la télé des passes à terre, il dit « mais ça va pas ». Il sait faire. Donc les images permettent de formaliser l'apprentissage. Et ça permet d'accélérer et de lutter contre toutes les déformations. Voilà un petit peu ce qui était véhiculé dans un livre il y a une vingtaine d'années. C'est faux. Voilà ce qui se passe. Et alors, bon, je reviens à mon affaire, regardez bien ici, la partie horizontale du trait noir que j'ai marqué sur l'image, cette histoire du le point haut de la trajectoire, c'est le point haut de la barre du plexiglas. Alors là, au lancer franc, il n'y a pas de problème, ça marche. Seulement, quand vous vous mettez à 7 mètres, ça ne marche plus. Alors, si vous donnez comme consigne des choses qui sont impossibles à faire, ou alors qui vous emmènent dans l'erreur, ça devient dramatique. Aujourd'hui, n'importe qui peut regarder n'importe quel match ou n'importe quelle image de tir de Stephen Curry, et il va se donner une petite idée. Un, la trajectoire est parabolique, parfaitement. Elle n'est pas déformée par les mouvements de la balle sur elle-même. Et les frottements jouent quasiment pas. Il y en a qui confondent le basket et le badminton. Parce qu'au badminton, ça se passe. Au badminton, le volant part un peu comme une parabole, mais le centre de gravité du volant se retourne. Le point lourd se retourne. Et il retombe beaucoup plus vite que qu'il est parti. Donc, les entraîneurs qui enseignent encore ces techniques-là, à mon avis, devraient changer de sport. Alors, je reviens un petit peu sur les modèles aujourd'hui pour tirer. Là, on est dans le biofeedback. Alors, vous n'êtes pas basketteur, c'est pas grave. Mais on peut dresser un profil de ce que c'est qu'un tireur excellent. Alors, il y a trois paramètres. Le tireur excellent, il a des bons pourcentages qui peuvent atteindre 90% et plus au lancer franc. Bon, ça, j'ai rien inventé quand je vous dis ça. Mais il y a deux autres choses qui déterminent le niveau d'habileté. Ce n'est pas la performance. Le niveau d'habileté, c'est la stabilité de l'arc de tir. Alors, si vous regardez la partie haute, vous avez un arc de tir qui est très constant. Si vous regardez la partie basse, vous avez un arc de tir qui est très variable. Donc, ça, c'est un critère de faible habileté, la variabilité
Alors que la situation est standard, hein, dans le jeu, ça peut être différent. Mais au lancer franc, c'est comme ça. Et il y a un autre critère, c'est où votre balle rentre dans l'anneau. Alors, souvent, on dit aux joueurs, les joueurs disent, mais il faut viser où? Devant, au fond, on ne sait pas trop. Moi, je dis, il faut viser dans un trou. Et en fait, c'est beaucoup plus précis que ça. On vise à 8 cm au-delà du centre du cercle. Et la machine, je ne l'ai pas mis là-dessus, c'est dommage, je crois, elle vous renseigne, la machine qui vous filme, elle a un système audio qui vous donne votre angle de pénétration dans la cible en temps réel. Dès que vous avez fini votre tir, vous avez un retour qui vous dit 45 degrés, 46, 45, 47. Et vous avez la profondeur aussi qui est annoncée verbalement. C'est-à-dire qu'on vous annonce en inch, parce que c'est les Américains qui fonctionnent là-dessus, qui vous donnent le nombre de inch par rapport au bord du cercle. Alors, le meilleur ciblage de la cible, c'est 11 inches. Alors, vous allez avoir des variations. Et le plus habile, c'est celui qui est à le plus près de 45 degrés et le plus près de 11 inches. Les lunettes stroboscopiques, c'est des outils que vous trouvez sur le marché qui valent 300 à 500 euros, qui vous donnent de la lumière pendant une petite fraction de seconde et de l'obscurité pendant une autre fraction de seconde qui est paramétrable. Exemple, vous avez de l'information sur un trajet de balle ou un truc comme ça, 40 millisecondes. Vous allez avoir du noir pendant 40, 80 ou 120 millisecondes. Et vous pouvez vous débrouiller là-dedans. Et c'est très difficile. Eh bien non, ça permet d'apprendre. Ça permet d'apprendre.普段こんなボールしっかり見ない気がする全然速くしないと間に合わないですああ本当に見やすいすごい遅く見えます全く違います安定したなんかブレないサーブが作り上げていけそうな感じがありますねIn the grade them into what they're already doing. Donc là, c'est pareil, les conditions sont les mêmes. Le joueur doit se déplacer, attraper des ballons, faire des changements de direction, etc. Je dirais même que l'élastique l'aide parce qu'il lui permet de poser les pieds en allant moins vite. C'est pas de la musculation, ça. C'est de l'apprentissage technique. C'est-à-dire que l'élastique ralentit les modalités de pose de pied. Et vous permettre de faire les bonnes choses techniquement. Et là, en plus, vous avez une difficulté à capter la balle parce que là, vous avez une vision qui est perturbée. Et en fait, cette vision-là, elle augmente la capacité de traitement de l'information. Vous avez une vision intermittente de la séquence. Ça facilite le transfert d'apprentissage. Ça reste assez permanent, assez longtemps. Et il y a plein d'expérimentations qui ont été faites, je pourrais les développer. Achetez le dernier Sport et Vie, il y a un bel article là-dessus. Et vous trouverez que là, il y a une persistance des gains qui va durer. Si c'est entretenu un tout petit peu, vous allez faire des gains. Il suffit de faire un entraînement de 5 à 7 minutes, même pas forcément tous les jours, et vous gardez votre gain. Alors, il y a eu des expérimentations sur du pointé, il y a eu des expérimentations sur des mémoires de lettres, etc. Donc c'est vraiment des pistes qu'il faudrait explorer, parce qu'en mettant les joueurs en situation très difficile, on les met en situation d'avoir une forte charge attentionnelle et de faire face, alors que c'est très difficile. Et là, si vous n'êtes pas motivé, l'entraîneur va tout de suite le voir. Ça va être tellement difficile à faire que si vous nous engagez à moitié, vous allez manquer votre affaire. Alors après, bon, il y a les systèmes commerciaux qui marchent. Bon, je vais m'arrêter là. Voilà, je vous remercie, j'étais un peu long.